prix qui augmente. Une TVA sur 1 euro, c'est pas la même TVA sur 2 euros. Vous faites quoi de cet argent ? Pour que les hôpitaux soient délabrés, que l'éducation nationale parte en couille, pour qu'aujourd'hui des gens se retrouvent dans la rue. Ah, 400 milliards pour l'armée, 165 milliards pour les grands patrons. Ah, là, il y a de l'argent. 10 milliards pour les retraites. Qu'est-ce que vous faites de l'argent? 3000 milliards de dettes. On devrait avoir des hôpitaux en platine, des écoles en or. Moi, j'habite dans les quartiers. Là, t'as les daronnes, elles se font dégommer à la caisse de Lidl. Moi, je pense pas à ma retraite, je pense à nourrir mes mômes. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est pas un combat. Il faut le mener, il faut le gagner. Et je pense qu'on a moyen de faire basculer, ne serait-ce que sur ce thème-là, Macron. Mais après, on fait quoi? On rentre à la maison et on continue de payer trop cher? Tu peux dire que t'es pessimiste aujourd'hui? Non, je suis pas pessimiste, parce que quand je vois 2 millions de personnes, voilà, à un moment donné, moi, quand je vois les gens dans la rue qui me disent « Ouais, t'as raison, Rodriguez », je dis pas que j'ai raison. Parce que ce que je vis, tous les Français le vivent aujourd'hui. Ils sont tous en hémorragie nasale quand ils regardent le ticket de caisse, mais ils ont même pas le moyen de payer le coton. C'est ça le problème, Sémil, aujourd'hui.